ouais, déclenche le virage avant. Nicolas Humer, j'ai 21 ans, je suis au Pôle France depuis maintenant 4 saisons. Bonjour, moi c'est Yann Pletze, j'ai 21 ans également, je nage depuis que j'ai 4 ans et je viens de Célessa. Je suis au Pôle France maintenant depuis 3 ans. Moi je suis en équipe de France depuis 2016, où j'ai fait les années juniors. Ensuite je suis passé en senior, j'ai fait les années seniors. Mon plus gros titre c'est champion d'Europe junior du 400 immersion. Et depuis, on essaye de continuer sur la bonne voie et d'intégrer les finales mondiales et peut-être les médailles internationales. Donc moi, j'ai fait déjà 2 sélections en équipe de France junior, une en senior et une aux Jeux méditerranéens de la plage. J'ai réussi à accrocher une finale cet été au championnat du monde et une belle 5e place aussi avec le relais 4x100 mètres. Et je suis détenteur du record de France junior du 200 000. Dans un mois se dérouleront les championnats de France N1 à Aix-en-Provence, qui sont aussi les sélections de l'équipe de France. Donc cette compétition dans le circuit national, c'est la compétition la plus importante de l'année au niveau français. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le résultat d'une année complète, enfin, d'une saison complète. Et voilà, c'est chez nous, à domicile. C'est une grosse étape de passage quand même, qui peut aussi signifier la fin de la saison, hein, si jamais ça se passe mal, mais on l'espère pas. Donc c'est le passage entre autres aussi pour les équipes de France, c'est une très grosse compétition parce qu'il y a les titres de champion de France à chercher, il y a une très belle confrontation et j'espère qu'il y aura du monde et des belles courses. Vendredi on se retrouvera directement dans la compète avec le 200 mètres, donc pour moi le 200 mètres c'est une course qui a été un peu compliquée ces dernières années, là l'objectif ça va être d'être fort et de faire un gros chrono. Donc moi aussi ça va être le 200 bi. L'autre côté entre guillemets, donc c'est une course que j'affectionne très particulièrement, c'est une course que je nage depuis longtemps à un très bon niveau, c'est là-dessus que j'ai mon record aussi, donc petite histoire personnelle avec ça, donc j'ai très hâte d'être vendredi pour cette course et j'espère faire un gros chrono. Donc là on est à 17 jours des France, au niveau de la charge on est plutôt dans une phase où on attaque un peu l'entraînement fort en ce moment. Alors on est un peu fatigué, ça fait 3 semaines qu'on est en charge, donc c'est un peu dur l'entraînement, en plus les temps sont un peu difficiles. Mais bon là depuis 3-4 jours ça commence à aller mieux et on va arriver en phase d'affûtage, donc je pense que je suis assez confiant. Donc avec Yann, on est en colocation à Aix-en-Provence, c'est beaucoup plus simple d'être à deux. On a toujours quelqu'un qui se motive pour envoyer l'autre à l'entraînement. Ça paraît en vrai d'avoir une ambiance motrice, justement, on s'encourage et tout ça. Donc avant l'entraînement, le matin à 6h, on mange du muesli. Et ensuite, après l'entraînement, on se fait un petit déjeuner. Donc avec pour moi un shaker et ensuite des œufs, du pain, un peu la totale quoi. Donc là, le championnat de France, c'est dans une semaine. On a fini les derniers entraînements durs hier, avant-hier. Là, on commence à entrer dans la phase d'affûtage vraiment. Donc, c'est la phase que j'aime bien, c'est on commence à retrouver les sensations vraiment de vitesse, de relâchement. L'entraînement de ce matin il s'est très bien passé. Donc je suis très confiant et j'ai vraiment hâte que ça commence. Là on est à J-7 des championnats de France, donc actuellement je me sens prêt. J'ai envie que la compète commence, j'ai hâte qu'elle commence. Gros programme de compète qui s'annonce. Et on a envie d'être très performants. Les entraînements ont été durs, mais j'espère qu'ils ont porté leurs fruits et on va voir ce que ça donne. Donc là, on est la veille de la compétition, les stress qu'on va remonter. Là, on a la chance d'être à domicile ici, donc on sait comment est le bassin, on a déjà les repères et j'espère que ça va bien se passer.
Demain, on va essayer de donner tout ce qu'on a et j'ai hâte que ça commence. Là, on est à J-1 de la compète, donc dernier échauffement, enfin dernier petit entraînement avant que ça commence. On est prêt, je pense que c'est le moment et on a hâte que ça commence. Allez, ciao! Fin de la première journée de compétition, pour ma part, 200 surfaces, série finale.
j'ai atteint mon objectif, j'ai effectué le temps de sélection et j'en suis très content. Donc moi aussi très satisfait, j'ai réalisé le temps de sélection ce matin. Un petit peu de déception cet après-midi parce que je réitère pas la même performance. Du coup je finis deuxième derrière Kevin Nasser qui fait aussi une très grosse performance cet après-midi. Ça devrait être bon pour moi et pour lui aussi d'ailleurs, que je félicite pour les championnats du monde à Cali. Donc l'objectif premier est atteint et maintenant on va essayer de finir la compétition en beauté et on va voir où ça nous mène. Affaire à suivre.